Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Je m'appelle Éric Ménard et c'est notre quatrième saison qui débute aujourd'hui. Pour les 13 prochaines semaines, on va vous faire découvrir encore une fois plein de choses sur l'univers fascinant de la moto au Québec et ailleurs dans le monde. On commence aujourd'hui avec un reportage qu'on a fait à l'école Turn 2 à Calabogie, au nord d'Ottawa, où la coureuse Geneviève Lossieur m'a enseigné quelques rudiments de la piste. Ça démarre en trombe. Geneviève, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? D'abord, on a une première leçon. Oui, la première session, c'est relativement simple. Toi, c'est ta première expérience ici à Calabogie. Donc, ce que je demande à mes élèves, première session, c'est vraiment un tour de reconnaissance. Les gens, des fois, ils peuvent être intimidés parce qu'on est sur une piste de course. C'est une piste qui est très impressionnante de par sa configuration qui est très technique, mais aussi par sa longueur. Il y a quand même 22 virages à mémoriser. Première session, je te demande juste de me suivre. Là, tu n'iras pas trop vite, là. Non, moi, j'ajuste ma vitesse à ton pace à toi. Donc, c'est bien important là, que tu n'ailles pas au-dessus de ta capacité. Moi, je vais regarder en arrière régulièrement pour voir où est-ce que tu es et tout ça. Moi, je vais montrer la ligne de course. Donc, c'est bien important que tu me suives en arrière. Si tu es à côté, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu ne verras pas la bonne ligne. Je te demande juste de prendre conscience de la traque, de ton environnement. On va aller vraiment pas vite, première session. C'est très tranquillement. Je te demande de rester. Là, on est sur des 600. Donc, je te demande de rester probablement en troisième vitesse ou la vitesse que tu vas sentir que la moto et toi être confortable. On n'utilisera pas d'autres vitesses puis on n'utilisera pas les freins non plus. Donc, pas de freins. Non, ça fait des choses au moins à penser sur la moto pour vraiment te concentrer sur le tracé puis la piste. Et moi, quand j'utilise pas les freins, je pense à mourir. C'est parce qu'on n'ira pas vite. Ah, okay. C'est sûr que si tu t'enlignes pour me percuter, tu peux les utiliser. D'accord. Je le permets, mais on n'ira pas assez vite pour ça. Donc, ça va vraiment te permettre de te concentrer sur les virages, la ligne de course et tout ça. Toi, tu es déjà familier quand même avec les termes d'entrée, de point de corde et de sortie. Donc, oui. Tu as une petite longueur d'avance là-dessus. Tu vas comprendre un petit peu pourquoi qu'on a l'air de zigzaguer, là, mais en fait, c'est la ligne de course. Parce que ce qu'on peut expliquer aussi, c'est qu'il y a plusieurs niveaux ici à Turn 2. Donc, tu as niveau 1, 2 et 3. Exactement. Moi, j'ai déjà fait un cours ailleurs, donc j'ai une petite expérience de rien. On y va avec un mix de 1 et de 2 aujourd'hui. Exactement. Étant donné on est chanceux, il n'y a pas beaucoup d'élèves aujourd'hui. Donc, mais en réalité, habituellement, on est autour de 4 à 5 élèves par instructeur. Mais là, aujourd'hui, on va être capable de vraiment personnaliser ton cours avec l'expérience que tu as. Habituellement, on est capable de quand même faire ça. Là. On est capable d'ajuster les groupes au courant de la journée pour que tout le monde ait des groupes très homogènes puis que tout le monde trouve son compte pendant la journée. Et à ce moment-là, c'est toi qui vas regarder un peu, tu vas rouler en arrière de tes gens et tu vas dire, bon, toi, tu vas rider un petit peu moins à l'extérieur, etc. Vous placez les gens comme ça dans un certain ordre, les catégoriser? Session, ça dépend toujours des niveaux. Il y a trois niveaux. Niveau débutant, initiation à la piste, c'est ce qu'on va faire ce matin. Il y a les niveaux intermédiaires pour les gens qui ont déjà fait beaucoup de journées d'essai sur plusieurs pistes ou qui ont déjà roulé sur la piste ici. Niveau avancé, c'est des gens qui vont être vraiment plus expérimentés. Donc, nous autres, dans le groupe débutant, au début de la journée, il n'y a pas personne qui va passer en avant de moi parce que la piste apprend une bonne journée à apprendre. C'est très technique. Tu vas penser que tu vas connaître un virage, puis finalement, tu vas aller dedans, puis ça ne sera pas celui-là. Donc, ça, c'est les erreurs courantes qui arrivent. Donc, ça prend une bonne demi-journée là, avant que je laisse les élèves passer en avant de moi. Puis, au courant de la journée, dépendamment du niveau de chacun, je les laisse passer en avant de moi, j'évalue leur conduite. On va voir aussi la position de conduite. On va parler de freinage, d'accélération et tout ça. We'll be right back.
aujourd'hui à Turn 2, c'est grâce, entre autres, au fondateur, George Budacki. George, when was Turn 2 founded? Turn 2 was founded in May of 2003. Okay, and I guess you're an ex-racer? My race history involves motocross and supermoto. Okay. And then I got old and went to the asphalt. This is a big thing to start this. It's a huge project. It's been growing steady over the years. I started off with three motorcycles. Oh, yeah. And it's grown quite a bit. How many do you have now? Almost 30. 30. And who comes here? Basically, we like to attract all types of riders, brand new riders to the street, brand new riders to the track. And if we have racers coming along, we can provide instruction for amateur and professional racers. Were you in the area before, or you just came here for the track? Well, the track was definitely one of the reasons I moved into the area. I'm originally from Hamilton. Okay. Because you don't own the track, you rent it, and you have your school here. That's correct. We rent the track for our events, and we have a 4,000 square foot facility that we lease. And does all the things we hear about, you know, sports bike, does it affect you? Does it bring you more people or less? I think once people try it once and they realize the allure of it and the excitement and the safety, the track's does its own job. It's a great place to ride in a safe, controlled environment. And why didn't you choose to stay in motocross, like get a track for dirt? Well, personally, I got old, and the bones would hurt after every motocross race, and I tried track riding with road race bike and just fell in love with it. Okay, so you teach also? I am one of the instructors as well. I like to teach the beginner riders. And level one, level two students. What do you look for in a teacher? Enthusiasm, charisma, the ability to communicate, and experience. We have a lot of people that can ride, but if they can't communicate, then it's not very feasible. Are there a lot of injuries here? When you compare injuries to what can happen on the street, it's a small percentage. So why do you think people do that nowadays? Because it's an extreme sport? Because it's relaxing? Because it's crazy? First of all, I think riding on the street, especially on a modern sport bike, is just crazy. The bikes are too fast or too powerful, and obviously riding above the speed limit is breaking the law. At the track, it's safe. There's no speed limits, and you really ride the bike for what it's designed. You can try a lot of things and learn a lot about riding also. Exactly. Body positioning, braking, shifting, acceleration, and just plain fun. Well, you can't do on the street. Of course. We had a beautiful day. Thank you for having us. De te suivre tranquille comme ça, c'est pas évident. C'est vraiment une piste difficile, c'est technique. Oui. J'ai quand même pas mal d'expérience, puis faut que tu regardes où tu vas. Hein? C'est pour ça que j'insiste vraiment au début pour commencer très lentement. Je veux que les gens se concentrent sur la ligne. C'est une piste fantastique pour travailler la position de conduite. C'est ça qu'on va voir tantôt, d'ailleurs, parce que les courbes sont tellement longues et techniques qu'on n'a pas le choix de vraiment s'appliquer sur la position. Puis, ça a bien été ta session? Bien, ça a bien été. Je te suivais. Je faisais mon gros possible, mais c'est le fun. Le rythme, c'était comment? Le rythme, c'était bien. T'as monté graduellement, fait que c'était parfait. On pouvait te suivre. Ouais. Regardez les lignes. Je regardais aussi comment tu te déplaçais. Oui. Je bougeais pas beaucoup là pour le moment parce que c'est sûr que la vitesse me permettait pas, mais j'exagère toujours ma position pour inspirer un peu les élèves, leur montrer déjà en entrée de virage qu'est-ce qu'on doit faire et tout ça. Là. On reste pas là derrière assis sur son siège. Là. Il faut transporter son poids d'un côté et de l'autre en mettant appui sur
le foot peg. Quand on prend vraiment de la vitesse, on n'est presque jamais assis. À l'exception des boudoirs qu'on peut utiliser le siège. Mais c'est pour ça que les motos de course, les bancs, des fois, il n'y a même pas de siège parce qu'on les utilise carrément pas. C'est comme faire des squats pendant 20 minutes. C'est ça. Ça prend des bonnes pistes. C'est le fun.